Plusieurs villages dans le sud-ouest de Madagascar souffrent cruellement du manque d'eau. Malgré les progrès réalisés par le gouvernement malgache, près de 40% des personnes dans la partie sud n'ont pas encore accès à l'eau potable et ne bénéficient pas de système d'assainissement. Cette situation est exacerbée, notamment dans le village d'Ansamadiru Sakara, où les villageois puisent l'eau à plusieurs kilomètres du village. C'est pourquoi nous avons construit un établissement scolaire en 2013 pour venir en aide aux enfants d'Ansamadiru et aussi pour leur offrir une alimentation de qualité et un accès à l'eau potable. Tous les mois, nous faisons une quête de bouteilles d'eau vide pour les enfants afin qu'ils puissent boire et ramener chez eux de l'eau potable. La pandémie revient petit à petit à Madagascar et touche surtout les enfants. Pour se protéger contre ce virus, nous avons recommandé l'adoption de gestes barrières tels que le lavage des mains régulier et le port du cache-bouche. Ces recommandations mettent encore une fois en évidence le rôle crucial de l'eau et de l'hygiène dans la prévention des maladies. Car notre objectif, depuis 17 ans, est de voir nos bénéficiaires en bonne santé et profiter d'étudier dans des établissements qui leur offrent une éducation de qualité. Une classe sans dénivelé. Il y a un manager de l'école de l'avenir en soi madir. Il y a un ami bon fort, bon marin à bed, des matières en jean love chang. Les nirans ont un cap, bac en jean jani, en jahuanaï, chad chachanaï, arena chanaï lambakua. Un jean vet, bac à terme de l'avenir zani, diam, hâton eran fusutu, isakari, benoué à toi de namarain. Nanaraku Zaki, une classe de 6e. Miana Satumni école de Safir au Zébé l'avenir. Arjahai Mansaka Animran Labtabe, Kamiranu Ansakanaï de Anzahuana, si Andro Amboranapango Ari, in Anzahuana Han, Ariana Sanaï, Anasanaï Lamb, Iran Bokatu Belavenir de Anumnaï, Sutunaï Zahanyanaka.